on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler moodboard. Qu'est-ce qu'un moodboard? Peut-être que certains le sauront. C'est tout plein d'images qui va permettre de représenter l'univers, les personnages de notre histoire, comment on se les représente. Ça peut se faire sous différentes formes. On peut le faire tout simplement sous forme de tableau Pinterest ou de dossier dans l'explorateur de fichiers de notre ordinateur. Moi personnellement, vous le voyez derrière moi, j'aime bien donc... Déjà je cherche mes images sur Pinterest et après j'aime bien les imprimer, les plastifier et les afficher au mur. Comme ça quand j'écris, je lève la tête de mon ordinateur et j'ai mes personnages devant moi, j'ai tout mon univers devant moi et ça me permet de mieux visualiser. Donc celui que vous voyez derrière moi, c'est celui pour The Perfect Match, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je fais mon mood board pour donc mon autre projet dont je vous ai aussi parlé, A Very Special Christmas. Et donc, vous allez me suivre dans chaque étape de mon mood board. Je peux déjà les dire, donc on a déjà la recherche des images sur Pinterest par rapport à ce que je recherche. On a ensuite impression, découpage, plastifiage. Et puis à la fin, la mise en place des images sur mon mur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti!
Donc voilà, le mood board est terminé. Donc vous avez loupé une partie parce que eh ben, j'ai tout simplement buggé dans l'enregistrement. Voilà. Donc je vais vous montrer le résultat final en filmant d'un peu plus près. Donc voilà le petit mood board de A Very Special Christmas. Donc vous avez vu, je mets à chaque fois des petites étiquettes avec en gros les noms des personnages et puis les personnages principaux. Voilà, je mets des plus petites étiquettes. Même si en soi je sais à qui ils correspondent. Mais voilà, histoire de bien me rappeler. Et puis pour, on va dire, décorer. Ça permet en même temps de voilà de décorer tout simplement, j'ai déjà dit. Je commence à me répéter, il y a la fatigue qui tombe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur comment je crée mon mood board. J'espère que ça vous a donné potentiellement envie d'en faire un ou que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi j'ai beaucoup pris de plaisir à partager avec vous ces petites étapes que je fais. Au final, que depuis très peu, hein, c'est seulement mon deuxième mood board. Je teste les choses, mais j'adore, moi j'adore. Je trouve que ça, en même temps que ça abîme mon mur. Et puis voilà, comme je disais dans l'introduction, ça me permet d'avoir au-dessus de ma tête quand j'écris mes personnages, mon univers. Ça permet aussi de me reconcentrer sur mon écriture. Enfin voilà, ça permet l'inspiration, tout. Depuis que j'ai fait donc le premier mood board, vraiment, moi je suis convaincue. Après voilà, chacun ses petites habitudes, ses petits trucs et astuces. Mais moi j'aime beaucoup le mood board. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!